Les enfants continuent de subir les conséquences des conflits causés par l'homme. Ce constat a été révélé dans la dernière édition du rapport annuel de l'Organisation des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés. Le compte-rendu fait état des dangers qui ont eu un impact sur la protection des enfants en 2021. Ils vont de l'escalade des conflits, des coups d'État militaires, des conflits transfrontaliers aux violences intercommunautaires. Dans ces pays où des groupes très extrêmes sont actifs, comme Boko Haram et les groupes dissidents, l'État islamique d'Afrique de l'Ouest et l'État islamique qui émerge en Afrique de l'Est, ces groupes qui n'étaient pas aussi organisés par le passé le sont davantage aujourd'hui. Et ils ciblent sans aucun doute les filles. Ils ciblent l'enlèvement des filles. Et ils ciblent essentiellement le viol et la violence sexuelle comme produit de cela. Près de 24 000 violations graves vérifiées à l'encontre des enfants, soit une moyenne de quelques 65 violations par jour, ont été révélées dans le rapport. Le meurtre et la mutilation d'enfants comptent parmi les violations les plus vérifiées.